Je suis Julie Salomon, je suis hôpital chez CARE et également au secteur privé et public. Lorsqu'on a l'enfant en vidéo, il est très rassuré par le côté, il est chez lui, il est avec son environnement familial, donc il n'est pas pris dans un contexte où il a eu de transport, de l'attente, etc. Donc il est plus naturel. Et on a une appréciation beaucoup plus objective du problème en fait. On fait 80% de la consultation en fait. On va creuser l'interrogatoire, on a l'observation. Et l'observation dans le contexte du domicile, c'est précieux. Et puis finalement, il y a quand même beaucoup de nos consultations en cabinet ou à l'hôpital qui ne nécessitent pas franchement l'examen clinique parce que c'est beaucoup de réponses à des questions, des symptômes qui n'existent plus au moment où on les voit ou qui sont en phase de diminution qui vont réapparaître ensuite. L'application de la médecine à travers le mode de la vidéo, finalement, qui est quand même très très proche de la consultation et qui nous incite à être plus dans l'écoute, dans la pédagogie, puisqu'on n'a pas la possibilité d'examiner physiquement. Et finalement, on peut faire énormément de choses juste dans le visuel et dans l'échange de la discussion et l'interrogatoire. C'est vraiment hyper important.